Et là, c'est shoot. Tu joues avec le pivot. Et si ça ferme sur le pivot, tu lâches. Par contre, on joue à l'intérieur des plombs. Écarte-moi un peu le plomb. Le Montpellier Handball, vous le voyez jouer régulièrement, c'est un club qui regroupe toutes les nationalités. Et cette ouverture sur l'Europe a fait que, on est le 7e club européen, on a vraiment une reconnaissance du savoir-faire de la formation Montpellier, et on s'est rendu compte que beaucoup de clubs, beaucoup de nations qui n'avaient pas les mêmes moyens ou le même niveau de formateurs étaient désireux de nous envoyer des joueurs. Montpellier a créé en 1996 le premier centre de formation. On a 65 joueurs qui sont passés par ce centre de formation, 49 ont signé un contrat professionnel, dont 20 à Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier est devenu un centre d'excellence dans la formation, reconnu comme l'est aujourd'hui le handball français dans la formation. Et l'objectif, c'est de le valoriser le plus possible d'un point de vue national et aussi d'un point de vue international. Et cette dimension internationale est très présente dans l'intitulé de l'académie. D'ailleurs, vous noterez que le mot « académie » est écrit avec un Y pour parler, je dirais, au plus grand nombre. Ça, c'est très important. L'idée, c'est aussi la transmission. Transmettre l'expertise qu'a acquis un club comme Montpellier, qui a joué plus de 250 matchs en Coupe d'Europe aujourd'hui, qui a un beau palmarès, qui a véritablement beaucoup d'expérience dans le haut niveau. Et l'idée, c'est de transmettre ça aux jeunes joueurs, mais aussi aux entraîneurs. C'est un petit peu le concept des grandes écoles. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener une formation d'un très très haut niveau, d'une très très grande expertise, en ouvrant la base de recrutement à des Français, mais aussi à des étrangers. Avec la volonté de resserrer sur une élite, c'est-à-dire d'intégrer des joueurs qui vraiment présentent des qualités pour jouer au plus haut niveau, leur donner un cadre global, cadre de vie, cadre d'activité physique, l'encadrement total, c'est-à-dire avoir vraiment une entité qui chapeaute les joueurs, parce qu'on va être souvent sur des joueurs jeunes. On démarre sur catégorie 14-15 ans, et ça va jusqu'à 21 ans, qui correspond à l'âge où, en principe, on devient professionnel. Vous enchaînez un deuxième pivot. Soit sur le croisé arrière-ailier, on a une solution de suite ou une balle de décalage, soit il n'y a pas ça et patient, on se replace, on se rapproche les deux et on joue avec deux pivots. Ce qui est innovant, me semble-t-il, et ce que l'on veut valoriser, c'est une méthodologie de travail de la formation. La méthodologie de travail de la formation, elle s'appuie sur quelques concepts essentiels. Le premier, c'est celui dont vous venez de partir, c'est-à-dire une forme de compagnonnage et d'accompagnement. Les jeunes apprennent à travers ce que leur amènent les entraîneurs, mais aussi à travers ce qu'ils voient. Quand vous côtoyez tous les jours un sportif, des sportifs de très haut niveau, vous vous imprégnez de la manière d'être de ces joueurs. C'est pour ça qu'on tient à être sur un lieu unique pour que ces jeunes côtoient au quotidien les sportifs de plus haut niveau. Donc c'est une forme d'accompagnement et de compagnonnage. Les jeunes de 14 ans sont amenés à s'entraîner ponctuellement avec des jeunes de 17-18 ans qui sont d'un niveau supérieur, une maturité supérieure, mais On joue beaucoup sur la passerelle. Et pour les joueurs du centre de formation, les 18-21 ans, ils sont amenés à s'entraîner, à être en opposition avec les professionnels sur des périodes plus ou moins importantes. Donc c'est ça qui est vraiment, à mon avis, qui est la richesse principale de l'académie. Aujourd'hui, on est dans la salle d'entraînement et de match de l'équipe professionnelle. Les jeunes, tous les jours, côtoient, croisent, voient les professionnels. La même chose dans la salle de préparation physique, la même chose dans la salle de vidéo. Donc sur ce match, le problème qui nous a été posé, c'est la prise en strict de Nassim et qu'on a mis beaucoup de temps à résoudre et qui va se reproduire régulièrement avec lorsque Kylian joue avec nous, lorsque nous avons Julien, voire Gheorghi qui arrive. On a besoin de travailler avec les jeunes sur des équipes et on utilise à ce titre-là l'équipe réserve du club qui évolue en 3e division française, l'équipe de moins de 18 ans nationale et l'équipe de moins de 17 ans régionale, et voire moins de 15 ans régionale aussi. Donc on a 4 équipes support qu'on utilise pour évaluer nos jeunes chaque semaine, faire progresser bien entendu nos jeunes dans la compétition. Notre souci, ce n'est pas que de former des joueurs de handball, c'est de former des sportifs de haut niveau, mais des individus, des personnes. Donc tout ce qui concerne
les attitudes, les comportements, la formation, le savoir-être est pour nous très très important et doit être véhiculé au sein de l'Académie. Les résultats scolaires sont tout aussi importants que les résultats sportifs parce que je crois qu'un joueur doit être complet et pour que l'individu soit complet, il faut à la fois qu'il s'épanouisse dans le milieu du sport mais qu'il ait des résultats scolaires les plus élevés possibles et qu'il aille vers la meilleure formation pour lui dans le futur. Ce qui est important, c'est l'individualisation du parcours. Aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent à la fois faire un parcours d'études élevées et un parcours sportif de très bon niveau. Et on peut avoir des jeunes qui auront un parcours sportif de très haut niveau et par contre qui auront un petit peu plus de limites sur l'enseignement scolaire. Donc il faut aujourd'hui le prendre en compte et l'adapter. Soit on est en capacité d'aménager les études pour qu'ils suivent leur formation sportive. Ce qu'on fait aussi, c'est que nous, on s'adapte. Et on met en place une formation sportive qui puisse s'adapter à leur scolarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le préparateur physique et moi-même, nous sommes à plein temps et nous adaptons notre emploi du temps en termes d'entraînement à la scolarité des jeunes. Alors pour l'instant, on est sur un suivi global, mais qui s'individualise de plus en plus. Je prends l'exemple de deux joueurs qu'on a accueillis en fin d'année l'année dernière, nos deux jumeaux italiens qui sont maintenant un petit peu plus connus. Bah, il a fallu prévoir une individualisation de leur parcours puisque ce sont des joueurs qui ne parlaient pas la langue et il fallait absolument les mettre dans une structure qui leur permettait d'acquérir un niveau confortable en français. Une résidence qui nous met avec laquelle on travaille pour accueillir les majeurs en appartement individuel puisque c'est aussi une volonté de notre part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune devient majeur et passe dans un cursus post-bac, l'idée c'est aussi travailler avec lui sur l'autonomie, la responsabilisation. On utilise des structures comme une structure comme le Krebs de Montpellier qui possède un internat et qui accueille les sportifs. Donc c'est une structure sur laquelle on a tout l'environnement pour accueillir des mineurs dans les meilleures conditions par rapport à leurs pratiques sportives, avec un encadrement qui connaît les sportifs, une restauration adaptée aux sportifs, un suivi scolaire très, très pointu là-dessus, puisque le Krebs est en convention avec l'établissement, un lycée, un collège. Nous avons été contactés de le club de Montpellier et nous sommes venus ici pour faire un stage. On commence par l'école. Pendant la journée, pendant la nuit, on est au Krebs, un centre pour sportifs. Au Krebs, nous dormons la nuit. Nous mangeons tous les soirs, à midi et aussi le petit déjeuner. À l'école, cette année, on fait une classe particulière pour étudier mieux le français. Après l'école, on y va à Bougnol, c'est le lieu où nous jouons en handball. Ok, laisse Antoine rentrer, là, replacez-vous, voilà. Gagnez, changez, bleu des fans. Nous faisons aussi Moscou, dans la salle de Moscou. Montpellier, pour moi, est un très, très grand club avec beaucoup de titres, ce qui m'a donné aussi envie de venir. Avec un très grand coach, Patrice, qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience. Et avec toutes les infrastructures qu'il y a ici, c'est vraiment un régal de travailler là. Il y a tout ce qu'il faut. On a un préparateur physique qui nous fait beaucoup travailler. Avec une salle de muscu, je pense qu'elle est immense, quoi. Donc, au niveau de tout ça, on peut bien progresser. C'est vraiment important d'avoir de la place dans une salle de musculation, de ne pas avoir un plateau qu'avec les machines et qu'avec les poids, mais d'avoir aussi ici un plateau un peu plus libre où on peut faire des sauts, comme vous avez vu tout à l'heure, du travail d'appui, où on peut faire de la passe, où on peut faire... ça laisse beaucoup de place à l'imagination aussi après pour utiliser tout cet espace. On fait en sorte de travailler différentes qualités à différents âges. On sait que chez les tout jeunes, on peut par exemple beaucoup travailler la vitesse. Il faut même plutôt beaucoup travailler la vitesse, travailler sur le gainage justement. Il y a des objectifs, on va dire à court terme, qui sont de faire en sorte que le joueur se blesse le moins possible déjà. Et ça, c'est le cas dans toutes les catégories. Parce que les jeunes joueurs sont soumis à une
une quantité d'entraînement qui est relativement importante, que pour certains, ils ne viennent pas forcément de cursus où ils s'entraînaient beaucoup précédemment. Donc le changement de type d'entraînement, l'augmentation de la quantité d'entraînement peut faire que parfois on a des petits soucis physiques. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Donc à court terme, c'est ça. Après, à plus long terme, mais là on parle de plusieurs années, oui, c'est d'améliorer les qualités physiques, améliorer les qualités de saut, les qualités de force, les qualités de vitesse. Là, on a également plutôt pour l'aspect récupération, la balnéo, le sauna, le hammam. Je le fais utiliser aux joueurs plutôt dans les périodes de grosses charges de travail, donc plutôt dans les périodes de préparation. Ce qui nous permet d'avoir des joueurs qui récupèrent un petit peu plus vite entre les séances et d'un jour à l'autre, qui ressentent moins de douleur, moins de gêne pour enchaîner sur la séance suivante ou sur la journée suivante. Et donc, ça nous permet d'avoir une quantité de travail un petit peu plus importante que si on n'avait pas ça. Il y a tout, quoi. Il y a un médecin, il y a un kiné qui est là à tous les entraînements. Je ne pense pas que dans tous les clubs de l'ENH, il y a un kiné qui est là à tous les entraînements, à tous les déplacements aussi. Moi, je suis là tous les soirs, donc il y a un suivi médical tous les soirs. On a un accord avec l'école de kiné de Montpellier qui nous met à disposition aussi deux stagiaires à temps plein toute la journée, ce qui permet aussi d'avoir du monde pour pouvoir les suivre. Et tous les lundis, on a le docteur Revel, qui est le médecin du club, qui intervient pour pouvoir voir les bobos, les blessés, et planifier et mettre en place des programmes après avec le préparateur physique, avec les entraîneurs, pour faire au mieux, pour qu'ils puissent s'entraîner au mieux et avec le moins de risques de pathologie possible. Alors on a voulu décliner le suivi médical un peu comme ça se passe au niveau du suivi technique d'un jeune qui arrive au Montpellier Handball, qui arrive à l'académie. C'est-à-dire que le jeune joueur qui vient chez nous est un joueur en formation. Et pour ça, il va falloir qu'il soit aussi en formation au niveau technique, au niveau préparation physique, mais aussi au niveau médical. C'est-à-dire qu'il a des choses qu'il va devoir apprendre, des automatismes qu'il va devoir avoir. Et on est là pour le former là-dessus et surtout pour le suivre au niveau médical, sachant qu'on a une population qui est complètement différente de la population d'un joueur pro. On a des jeunes joueurs qui ne sont pas en complète maturation physique. Ils n'ont pas fini leur croissance pour la plupart. Donc il y a un gros suivi à faire de prévention chez ces jeunes, de prévention pour leur permettre d'acquérir le physique d'un joueur de handball professionnel avec les contraintes articulaires, musculaires, ligamentaires. Alors au quotidien, il y a plusieurs phases. Il y a l'arrivée du joueur chez nous, qui est décortiqué donc, dans une structure comme on a vu ici, Orthodoc, qui est un de nos partenaires privilégiés, parce que sur un même plateau technique, on peut avoir les examens complémentaires, les IRM, les scanners, les consultations des chirurgiens, les médecins physiques. Et donc on est entre 7 à 10 personnes au sein de la commission médicale pour le suivi médical de nos jeunes. Voilà, le handball s'est professionnalisé donc dans la qualité des entraîneurs, toutes les questions qui se posent aussi au niveau de la musculation, du renforcement. On a beaucoup progressé, donc dès le plus jeune âge, ça attaque. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un jeu, que le handball c'est un jeu, qu'on est avant tout sur le terrain pour prendre du plaisir. Et commencer à s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, on passe vraiment dans une autre dimension. Donc il faut faire attention à tout ça et conserver un minimum de plaisir. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu les valeurs qu'il y avait dans ce club, où quand on fait un match, vraiment, faut être fier d'avoir les couleurs du MHB. Et avec tous les titres qu'ils ont eu aussi, c'est que de la fierté. On essaie d'accompagner en fonction de s'adapter aux jeunes qui viennent nous rejoindre, aux jeunes qu'on croise à certains moments. On essaie de soi, y a des méthodes différentes en fonction des joueurs. Il y en a, ils ont besoin de coups de pression, il y en a, ils ont besoin d'être accompagnés. Il y en a qui ont déjà pas mal compris de choses et qu'il faut juste inclure dans le groupe et les faire participer. Et c'est vraiment plaisant à faire et de pouvoir participer à leur évolution comme ça. Un club comme Montpellier Handball doit rayonner par ce qu'il est, par ses résultats, mais aussi par sa capacité à transmettre, par sa capacité à véhiculer ses valeurs. Et il n'y a pas meilleur endroit de véhiculer ses valeurs que la formation. Donc c'est un petit peu le grand projet qui sous-tend ça. Et on va être payé en retour parce que les jeunes, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, qui auront été formés à Montpellier, ils véhiculeront l'image de Montpellier, ils véhiculeront une bonne image du club de handball de Montpellier. Et ça, c'est vraiment important que la marque Montpellier Handball continue à rayonner partout en Europe et dans le monde.